Et salut à toutes et à tous, et donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale où j'ai affronté Finn. Donc je viens d'affronter Finn Rong il y a une heure à peu près. Et c'était sur son live, donc le principe. Alors pourquoi vous voyez des mini-marestes, des crises acier? Alors vous êtes en mode, mais c'est quoi ce concept totalement pété? Et bien tout simplement c'était avec le randomizer. En fait, donc c'était totalement random en fait. Les gens utilisaient Pokémon Randomizer, moi j'ai utilisé Pyrotos.com qui je trouvais un peu mieux. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et donc du coup, j'ai vu dans son live qu'il y avait des mecs qui sortaient triple dragon. J'étais en mode, mais putain, c'est quoi ces chances là? Wesh, c'est pas possible. Voilà, je me disais un petit peu qu'il trichait quand même. Voilà. Bon, évidemment, quand j'avais fait le match avec lui, j'ai coupé le live, évidemment, parce que je déteste tricher. Donc, j'ai coupé le live quand j'ai affronté. Donc, voilà. Puis, je connaissais pas les réparts des Pokémon, puisque j'étais arrivé après le début. Donc, je pouvais pas vraiment connaître le répart des Pokémon. Enfin, bref. Alors, et moi, j'ai eu alors zéro chance. Parce que j'ai eu et flèche, crise acier. Laurent Houtan de type Psy de la 7ème génération, je sais plus son nom, Persian Alola, Delcatsy, et le mini gros tas de morts, là, le tas de morts. Voilà. Donc vraiment la chance, zéro, quoi. 0-0-0. Alors que le mec en face, il avait Guériland, Doblade, comment il s'appelle déjà, Sveilus, c'est quoi en. Français, Diamat, si on l'a. Lui c'est Axoloto, Milobédus. Milobédus c'est un peu pété contre Mati par contre. Et Rhinocorn. Bon, Rhinocorn, machin là, Minibarest, c'est. Voilà. Bref, allons-y. C'est parti, let's go. Donc là j'ai envoyé mon Eflèche parce que mon Eflèche voit qu'il y a un bon match-up face à sa team. Je vais directement taper parce que voilà, j'ai pas d'autre option. Hein. Lui il va me faire toxique parce qu'il sait aussi que c'est une menace, donc il va me toxique pour dire mes PV à petit feu. Je fais un double switch parce que je sais qu'il va mettre son Doblade. Voilà, donc du coup je fais un double switch et je mets Persian, donc lui il va mettre le Sveilus. Et je fais demi-tour parce que je sais qu'il va faire ça, donc pour l'instant j'ai un avantage. Et je vais mettre le Crisacier parce qu'il sert à rien. Et puis il peut faire un minimum de dégâts. Regardez ces dégâts. Ils sont nuls. Oh là là. Putain, mais pourquoi je Crisacier, mec? J'ai eu je sais pas combien de chats, mais j'ai Crisacier. Après j'en reprends pour ce mal. Alors que normalement c'est un chat femelle, mais bref, voilà. J'en reprends pour ce faire un bluff. Oui, il est en Buffy, oui, c'est un fake out de Last Resort. Hein. Voilà, j'allais pas jouer le set subtoxique parce que je sais qu'il y a des gens derrière qui vont faire durer parce que je suis gentil. Voilà, je vais mettre version qui check à peu près de blade. Sauf que là, je vais le full play, ça tue pas. Et là, il me sort un sacré sort qui me tue, j'étais en mode. Mais non! Surtout qu'il m'a un coup critique. Donc je me demande si ça joue coup critique en vrai hein, parce que. Il y a quand même, avec son talent, je sais pas si... alors là, il me fait Shadow Sneak parce que voilà, et là, mon Doublade... Oui, parce que mon Gourou, il ne touche pas, mon Tadmor, il ne touche pas, mon Delcat, il ne touche pas, et il ne touche pas. Donc, voilà, je suis obligé de faire ça, en fait. Enfin, voilà. Donc là, il envoie son Game Land. Là, j'ai le chèque parfait qui est Tadmor, donc... voilà, t'as de mort qui tente easy, et là il met Rayard. Bon là je suis Poison Jab, hein, je me pose pas de questions, il se place donc je me pose pas vraiment de questions. Là je lui double switch sur le rang temps, je vais pas mettre Flèche parce que Flèche c'est ma win code. Déjà que je suis un peu en mauvaise position, si je perds ma potentielle win condition, je suis un peu dans la merde. Donc je vais mettre mon rang. Mais le problème c'est qu'il a qu'une seule attaque, vu que c'est un Calmine de Psyche qui est Resnip Talk. Bah je peux pas toucher son Diamat, du coup c'est un peu la PLS. Donc là je vais tuer son Rhinocorn, il laisse mourir son Rhinocorn. Parce que je pense qu'il savait pas si je le touchais ou non, donc il préférait pas faire le malin. Parce qu'il me semble que ce truc avec la magie, donc, dans
son move pool, donc on sait jamais. Donc il fait un double switch. Là, il amène son Milobelus, il fait un double switch, je ne sais pour quelle raison, alors qu'il pouvait directement mettre son Diamat. Je sais pas, peut-être qu'il s'attendait à un tonnerre. Je sais pas trop. Alors, en tout cas, là, je vais faire propos, parce que là, au speed talk, puisque je touche pas. Voilà, je me dis, peut-être, dans sa gentillesse, il va switcher. Non. Mais bah, en même temps, je peux pas le toucher. Donc là, j'ai envie de dire, c'est un kill. Voilà, incroyable. Hop là, Decati qui fait un kill, vous l'aurez vu ici. Allez, là, ça envoie le Guerriland, et là, qu'on mette le steak. On tient le Draining Kiss, qu'on mette le steak. Allez, hop, paf, le Last Freezer qui fait bien mal, mais vu que le truc a 65 d'attaque. C'est du caca et je vais jouer Jovial et Paris. Donc voilà. Ouais. En fait, j'ai vraiment fait la team à l'arrache en même temps. Donc, si j'avais su peut-être je jouais Paris. C'est facile de dire ça après. Donc là je résiste parce que contre le tas de morts, je joue full P, full PDF, naturellement prudent, donc je tente ici. Et là je fais explosion parce que j'ai pas envie qu'il se setup sur mon tas de morts. Enfin, hein, donc je m'explose directement. Et je vais mettre le Romain des Bois. Donc voilà. Et je vais faire juste pas mes atterrissages parce que avec le toxique en fait je peux pas tenir longtemps en fait. Donc je me dis, je vais mettre un deuxième atterrissage pour être à peu près full vie. Là il spam cascade je ne sais pour quelle raison. Mais peut-être parce qu'il. Je sais pas. Peut-être qu'il veut pas switcher. En fait, il veut que je le tue parce que Milobelus est sa wincon. Et là, il va me finir avec Milobelus. Donc, j'aurais perdu 1-0. Mais ça reste quand même un bon match. En ayant la pire team de l'histoire, j'arrive quand même à perdre 1-0 seulement. Parce que j'ai vu des mecs, ils avaient des meilleures teams, ils ont perdu, mais plus gros que ça, quoi. Hein. Donc, en vrai, je suis plutôt fier de moi. Voilà, je suis plutôt fier de moi, quoi. Allez. C'était la petite vidéo spéciale, j'espère qu'elle vous aura plu, donc on se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. Allez, ciao les amis, tchuss.